1380. En pleine guerre de Cent Ans, Charles VI accède au trône. Les Anglais occupent une partie du territoire et les Français se divisent. Dans le forêt, des bandes de routiers passent à intervalles rapprochés, pillant et massacrant tout sur leur passage. Le peuple souffre, la peur s'installe. Oh!
a prononcé coupable. Est-ce que le public est d'accord? Oui. Est-ce qu'on va le pendre? Oui. Vous condamnez à mort vous a vraiment créé beaucoup de mal dans votre contrée. Donc, la justice l'a condamné à mort pour différentes raisons. Vol à l'étalage, tapardage nocturne, détroussage de gens de dame. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous condamne à mort? Oui. Bon, faites un office. Non, il me reste encore un vœu. J'ai grand soif. T'as soif? Bourreau, fais ton office. Que Dieu et son âme. Marche pas. Il sert à rien. Majesté, je suis désolé. Au carrefour de l'Auvergne, de la Bourgogne et du Velay, de riches provinces, le château de Mauron devient un point de passage essentiel, convoité par les bandes de mercenaires et par le pouvoir royal. Alors que les bandes de pillards s'assemblent à proximité de ses terres, le seigneur de Mauron fait montre de grand courage pour sauver son château et préserver la vie de ses gens. Le seigneur Artaud gagne cette bataille, mais il doit prendre garde de choisir le bon camp dans cette guerre qui devient rapidement une guerre entre Français. We'll be right back.
En l'honneur du roi Charles VI, en visite sur les terres du duc Louis de Bourbon, le seigneur Artaud de Saint-Germain, en ce mois d'août à Moron-le-Fort, organise en son fief réjouissances et tournois. Le roi se trouvant sur ses terres, le seigneur de Saint-Germain s'honore que le roi bénisse lui-même les bannières de ses soldats.
laissez-vous en faire bon usage. Avant de prononcer les vœux de fiançailles, les promis vont jurer d'avoir aucun lien de parenté jusqu'au troisième degré. Pourquoi troisième degré? Regardez autour de vous. Mariage consanguin, voilà les résultats. Comment t'appelles-tu? Merlin. Bertille. Bertille et Merlin. Chaque fois qu'il y a des cas sociaux, c'est moi qui les marie. À chaque fois. Bertille et Merlin. Mettez-vous à genoux. Mesdames, le dé. Par cet anneau, je te prends à épouse. Par cet anneau, je te prends à épouse. Voilà. Levez-vous, vous êtes maintenant mariés. Ah. Vous pouvez les applaudir. Des alcooliques me susurrent à l'oreille que vous connaissez pas mon métier. C'est vrai? Oui. Bon, ben, je prends quelques temps pour vous expliquer, n'est-ce pas? Alors, mais tout beau, comment me trouvez-vous? Très beau. Et c'est que j'ai les poings mégotaillés sur les symboles, hein, tout, absolument tout. Dans mon affublement à un sens et les poings là par hasard. C'est ces oreilles d'âne qui décorent aussi mignonnement mon bonnet. Ce sont oreilles d'âne et ne sont là que pour faire grande caricature de la mitre de l'évêque ou de l'âne de la crèche. Et ensuite ma marotte que bois et chiffon est pourtant symbole de pouvoir et de majesté par sceptre de son roi, moi, Tapayo. Ça va alors. Nullement impressionné par la présence du roi, un groupe important d'Anglais déterminé à piller la région pénètre sur les terres de Moronlefort. Le roi tente de négocier, mais ses routiers avides de pouvoir préfèrent livrer bataille.
grâce à la mobilisation générale, ces routiers anglais mis à mal perdent la bataille et acceptent finalement la trêve qu'il aurait proposée.